J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 en compagnie de moi-même, Salus, mais qui fait tout quoi, il fait les voix off et tout. Bref, donc tout ça pour vous dire que le sondage auquel j'avais posté, auquel vous avez répondu sur l'onglet communauté, bah ça y est, voilà, on va y être les gars. Hein. On va y aller, hein. Traverser toutes les states en wheeling. Donc je vais essayer d'aller jusqu'ici. Je vous promets, alors rien du tout. Je vais essayer, hein. Je pense pas y arriver, mais bon, on verra bien. Donc comme vous voyez, ça traverse bien toutes les states. Moi, je suis tout à gauche, vers San Francisco, si je me trompe pas. Donc bah les gars, sans plus attendre, on est parti. Donc je suis désolé si je n'arrive pas à réaliser le défi, mais déjà si je traverse la moitié de la map en wheeling, c'est déjà gros. Parce que comme vous voyez en bas à droite, il y a 141 km. Donc Oh punaise, Frank, il va essayer de traverser 150 km en wheeling, mon pote. Bon, j'arrive pas à le faire parce que j'ai la voix séchée et tout. Mais je m'ai fait beubeu à la langue. Ouh, punaise! Pragmatique va essayer de traverser la map en wheeling. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à prendre un paquet de Doritos, un petit coca des familles et à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Parce que là, il y en a pour un petit moment. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc je vais faire au mieux pour essayer de réaliser cette tentative de tuning. Comme on dit couramment dans le milieu. Et j'espère y arriver. Hein. Alors honnêtement, faut jamais perdre de vitesse, sinon après c'est mort. Si tu perds ta vitesse après, et que t'as plus de vitesse, bah ouais, bah c'est mort. T'as plus que tes yeux pour pleurer. Alors par contre, faut faire gaffe, voilà, là si j'allais trop vite, j'allais sauter. Et ça allait pas être le bon tuning, tu vois ce que je veux dire? Là on va aller vite, mais pas trop. Ah oui, et dites-vous bien que je suis à plus de 100 km/h hein, quand je suis à ma Vmax en 6ème. Je suis à 140 à peu près. À peu près, bien entendu. Je tiens à dire que cette moto est presque pas améliorée. Elle a un chouïa d'amélioration. Mais vous voyez qu'elle est pas. Elle est pas si rapide que ça. Parce que ça sert à rien d'augmenter vos motos au maximum. Enfin, personnellement. Oh putain, il y a un saut. Personnellement, ça sert strictement à rien parce que ça me fait louper tout à chaque fois. Putain, ça a loupé le. Bon bah. Je savais pas qu'il y avait un saut ici. Bah écoutez, on va Bah écoutez, voilà. Je vais reprendre d'ici. Il n'y a que 2 km donc c'est pas grave. On va peut-être pas déconner. Je retente d'ici parce que je savais même pas. Enfin honnêtement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Et je sais pas les endroits où il y a des sauts comme ça. Donc si je vais trop vite, bah. Je me fais niquer. Comme là, présentement. Là, je suis à 150. Hein. Quand je suis au maximum comme ça en rupteur, je suis à 150. 145, pardon. 140, 145. Donc c'est quand même sympa. Le but n'étant pas d'aller le plus vite possible et de faire de la merde. Le but étant d'essayer de traverser toute la map en wheeling. Faut pas non plus trop en demander. Donc je promets pas du tout que je vais y arriver. Parce que si ça se trouve, je vais tomber sur des gens qui vont essayer de me pousser, etc. Et ça va bien me gonfler. Ou si ça se trouve, je vais totalement me démotiver et je vais faire de la merde. Voilà. Parce que bon, faut savoir que je l'aurais pas réussi du premier coup. Hein. Il y a quand même pas mal de tentatives avant. Parce que c'est mais extrêmement dur. Donc je vous promets, nada. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et. Comme ça, vous voyez au moins que, bon, même si j'y arrive pas forcément, j'aurais écouté votre avis. Je pense que c'est le plus important. Et que ça vous fasse plaisir aussi, quand même, c'est un peu le but. Donc, s'il y a des gens qui veulent 2-3 conseils pour le wheeling, je suis pas du tout maître en la matière. Je dis pas que je suis le meilleur, loin de là, hein, je suis extrêmement mauvais. Mais, enfin, je me débrouille, on va dire. Donc, s'il y a des gens qui veulent 2-3 conseils sur le coup, bah, regardez cette vidéo dans tous les cas et vous comprendrez un petit peu comment je fais. Donc je vais vous mettre aussi le lien de mon ancien record qui était de 50 km en rec. Enfin, j'ai fait 57 mais sur YouTube j'ai mis que celui de 50. Ce qui est déjà intéressant. C'est la moitié, presque la moitié quoi, des states. C'est quand même intéressant. Et j'espère que bah, vous kifferez. Oui. Aussi j'ai oublié de préciser mais on a créé un
on a créé un hashtag sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à y poster, pourquoi pas, avec notre hashtag TocardosLife. Je sais pas, vos wings ou vos stunts en vélo ou vos burns en voiture ou des trucs tuningo comme ça. Et j'irai voir justement vos publications, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi me follow sur Instagram Aurélien_MS. N'hésitez pas à venir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me parler, je réponds à tout le monde. Bon, par contre, spammez pas parce que ça va m'énerver. Ça va me saouler s'il y a genre 100 personnes qui m'envoient des messages toutes les 1 minute, tu vois, ou qui m'appellent tout le temps et tout. Mais envoyez-moi un petit message et j'essaie de vous répondre. Tranquillou. Et voilà. Donc là, on est déjà à 6 minutes de vidéo pour 7 km bientôt. Voilà, on y est. J'espère qu'on va y arriver, ce serait cool. Putain, il fait chaud. C'est hallucinant, là dans ma chambre il fait extrêmement chaud, je suis en train de bouillir les frérots. Je suis en sueur. Et je peux pas mettre pause. Ah oui, il faut savoir que du coup je peux pas mettre pause, je peux pas aller aux toilettes, je peux pas aller boire. Voilà, donc c'est ce genre de défi, tu vois, moi-même. Donc je suis désolé d'ailleurs si j'ai des moments d'absence, etc. Mais c'est un défi plutôt dur quand même. Et j'ai besoin de concentration aussi, pour pas vous mentir. Alors il y a sûrement des moments où je parlerai pas. Enfin voilà, tu vois. T'as compris le délire. Et je voulais vous dire aussi que j'arrive à mieux réussir mes wheelings quand je règle pas. Donc bon, c'est un peu tuning. Et j'arrive largement mieux quand je règle pas parce que bah. Quand je règle pas, j'ai pas de stress à me dire putain, faut que je fasse un truc vraiment clean et tout. Alors que là, bah. Là, je stresse un peu parce que je me dis qu'il faut que je fasse un truc bien, etc. Faut que j'arrive à parler en même temps pour pas que ce soit trop vide. Enfin, c'est assez. Assez dur quand même. Parce que moi, j'arrive pas à me concentrer et à vous parler en même temps. C'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire d'ailleurs. Parce que je sais pas, j'arrive pas. Moi, j'ai besoin de me concentrer et tout. Même si je suis pas un joueur exceptionnel, hein, qu'on se le dise, mais j'ai besoin de concentration. Je suis ce genre de mec. Ce genre de mec bien relou. Hein. Donc là, comme vous voyez, on est au plus de 10 km. Et je voulais dire, ah oui, je voulais vous remercier. Enfin, je suis désolé, je bug un peu, mais je commence à avoir grave soif. Je voulais vous remercier aussi pour les 9000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on va passer la barre des 10 000. Ce serait quelque chose de fou. J'ai encore du mal à m'en rendre compte qu'on est déjà 9 000 sur la chaîne. Parce que c'est déjà beaucoup quand même. Et bon, je sais que pour certains c'est que dalle et tout, blablabla. Mais on n'a pas tous, on part pas tous du même point les gars, ça faut jamais l'oublier. Et du coup la moindre des choses pour une personne comme moi c'est énorme, tu vois. Donc faut pas juger les gens sur ça aussi. Parce que certes, pour certains, c'est rien, là qui vont dire « Ouais, mais t'as que 9000 abonnés. » Mais bon, pour moi qui pars de rien, vraiment rien, c'est fou. Quand vous allez voir mon setup, les gars, vous allez dire « Ah ouais, mais mec, quand même, tu vois. » Ça se voit que le mec, il est là, il part de pas grand-chose et tout. Faut savoir que, comparé à énormément de gens, parce qu'il y a énormément de gens qui jouent en 4K, qui ont été les 4K, etc. Moi, j'ai pas de matos 4K en fait, j'ai juste ma console qui fait de la fausse 4K, donc de l'upscaling, mais je n'ai pas un PC avec une config de 2018-2019, j'ai pas une télé 4K 100 cm récente, j'ai pas la nouvelle webcam de chez Logitech, enfin voilà, j'ai que du matériel un petit peu vieux, mais ça fait le taf, donc c'est le principal. D'ailleurs, si jamais Red Bull, vous voulez sponsor cette vidéo parce qu'il y a votre logo tout au long de la vidéo, 200 euros ça me va, tu vois, y a pas de soucis, ce serait gentil, ça m'aiderait. Parce que les canettes, je vais pas les boire vu que j'aime bien Red Bull, mais j'en bois de temps en temps. Un petit chèque, ça me va, tu vois. Même si je sais que ça arrivera jamais, hein, je suis très très conscient de tout ça, etc. J'ai pas une assez grosse communauté, etc. Mais jamais, ça peut toujours m'aider pour la vie active, frérot. D'ailleurs, je voulais faire aussi une dédicace à toute la bike life, donc à Combat 94, Weedy Fool TV, etc. 100% bitume et tout,
tous les autres. Je lui fais un petit dédicace, voilà, on apporte notre soutien comme on peut dans The Crew, parce que j'ai pas de moto dans la vie réelle, j'en ai jamais fait d'ailleurs, malheureusement, donc voilà, j'apporte mon soutien comme je peux dans un jeu vidéo, à ma manière on va dire, comme dirait El Famoso Thierry Boardel. J'ai modifié cette moto à ma manière. Je le vois. Oh mec, franchement, c'est, tu vois cette vidéo, il est trop fort ce mec, il est trop fort. C'est un papy, mais il est trop marrant. Franchement, prenez-le avec vous pour faire de la mécanique. Et franchement, je le vois bien, tu sais, faire une vidéo mécanique, genre. Bon, alors, on va custom cette petite KTM à ma manière. Je vais même faire des wheeling et tout, ça pourrait être marrant, t'as vu. Ça pourrait être sympa. Donc, pour ceux qui connaissent pas, j'ai mis le lien dans la description de ce mec-là, il est trop fort. Il est trop fort, franchement, il est marrant, il est cool. Et des fois, il partage des gens aussi, j'ai vu, donc c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, donc pour ceux qui voulaient savoir quelle moto c'est, bah, que celle que j'ai, c'est la KTM spéciale, celle qu'elle est Stikos, et elle est presque pas améliorée. Vitesse max, il me semble qu'elle va à 145 km/h. Donc c'est la vitesse à laquelle je suis en wheeling, en 6ème, en fond de 6, donc là maintenant. Donc c'est sympathique. Par contre, il va bientôt pleuvoir dans le jeu, ou neiger, je sais pas. Un des deux. Ça va me... Ah bah voilà, je vous l'avais dit ou pas? Il neige. Hey, new freezer. Toum, 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 toum. Ma bitch tout fond de la neige. Oh nigga. Donc là, comme je vous l'ai dit, ouais, c'est vraiment pas un record de vitesse, je sais pas quoi, non. J'essaye pas d'aller le plus vite tout le temps, hein. C'est juste pour grappiller plus vite des kilomètres, mais... Si vous voulez tester, d'ailleurs si vous voulez le faire chez vous, n'hésitez pas à me dire combien vous avez fait. Oh, c'est beau quand même. N'hésitez pas à me dire combien vous avez fait en kilomètres, votre maximum. Et qui sait, il y a des gens qui vont me battre, j'en suis sûr et certain. Mais ça me ferait plaisir de savoir combien vous avez fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à reproduire ça chez vous. Il n'y a pas de souci à prendre peut-être des extraits de jeu ou quoi. Les partager avec moi, il n'y a pas de souci, j'irai regarder. Quand j'aurai un petit peu de temps. Donc je suis désolé, la moto elle va grave se salir, mais en même temps, avec la neige, frérot, c'est un peu tuningo. Donc petite dédicace au petit Lucas Luchas Gracias là. Parce qu'on est en wheeling. Donc voilà. Dites-moi aussi si dans les commentaires vous voulez, vous revouez, parce que j'en avais déjà fait l'an dernier, une série de vidéos... un peu comme sur FH4 où bah je, comment dire, où je montre des voitures, enfin où je fais pourquoi pas des balades avec des voitures. Je l'ai déjà fait l'an dernier, donc j'ai pas vraiment envie de le refaire parce que le gameplay me plaît pas trop, c'est un peu trop arcade. Le seul truc que je kiffe vraiment dans ce jeu, c'est les motos et que la map elle soit aussi grande, tu vois. C'est pas, pour pas vous mentir, les motos c'est ce que je prends tout le temps. Vraiment, je prends tout le temps cette moto et je fais des wheeling avec, mais tout le temps. Et je fais ça depuis la bêta fermée sur The Crew 2, donc voilà quoi. À la bêta fermée, vous pouvez demander à Lucas, on faisait déjà des wheeling. D'ailleurs, il y a une vidéo où j'essaie de faire des wheeling, à l'époque j'étais totalement nul. Vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube. Je peux vous mettre ça dans la desk aussi si vous voulez. Donc là, pour l'instant, jusqu'ici, ça a été assez simple, ça a été que de la ligne droite, donc ça va. Et il faut savoir aussi que je me suis mis de la musique à côté, ça vous en foutez totalement, mais je vous dis, c'est cadeau. C'est une information gratuite, donc autant prendre. Je me suis mis de la petite musique à côté pour m'enjailler, rap US, tout ça, tac tac. Et pas tout le temps la même musique, parce que ça, d'un, malgré que je kiffe certains sons, c'est pénible. Par contre, faut que j'évite à tout prix les trucs comme ça, la délituite et tout, parce que ça va être relou. Ça va me gêner. Ça va me gêner pour mes fans. Allez. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous voulez voir dans The Crew 2 aussi. Ça, y a pas de souci. Ah oui, et il y a un moment. C'était quand déjà? Je sais plus quand c'était, quand j'avais testé Zephyr là. Avec 57 km, j'ai passé un niveau entier, je crois. J'avais passé un niveau, ouais. C'est surprenant. Donc c'est pour ça les gars que je suis que icône 180. C'est parce que je joue jamais à The Crew, hein, depuis un an en
fait. Je joue plus à The Crew. Enfin, peut-être pas un an, mais. J'y joue juste quand il y a une nouvelle voiture qui sort, tu sais, je fais une petite balade et pour faire une petite vidéo et voilà quoi, après j'y joue plus. Ou alors quand j'y joue, bah je fais des wheelings. Voilà. Moi je suis vraiment pas le mec qui tryhard. Hein. J'ai tryhardé à la sortie, oui j'étais vite dans les icônes 100 et tout. Mais une fois que j'ai eu ce que je voulais, après j'ai arrêté, tu vois. Parce que j'aime pas, enfin. J'aime pas trop faire des courses sur The Crew, c'est pas trop mon délire, tu vois. Parce que la maniabilité des voitures elle est mieux. Je préfère la Clash 4, tu vois, niveau maniabilité des voitures, c'est largement mieux travaillé, c'est mieux fait et tout. Y'a rien à voir. Y'a vraiment rien à voir. En même temps, après, Turn 10 et Ubisoft, c'est pas les mêmes développeurs, c'est pas la même puissance de développement. Je crois que ça va rien dire, mais on s'en fout. C'est pas les mêmes personnes, donc voilà. Pas les mêmes techniciens, ingénieurs, tout ça, ingé son. Dédicace à Théo. Oh là. Tu vois, s'il y aurait des motos dans Clash 4, ce serait vraiment cool parce que, putain, faire des policiers voleurs en moto, mais ce serait le kiff, mec, faire des wheelings tout le temps là. Oh là là, la bike life. Je kifferais ça, tu vois, vraiment. Faire des petits wheelings tout le temps là, faire chier les gens, wheeling. Oh. Salut. Franchement, je kifferais, tu vois. Là j'ai ralenti parce qu'il va y avoir un virage. Parce que si vous êtes trop vite dans les virages, vous les prendrez pas, hein, je vous le dis. Ma moto danse parfois, c'est normal, vous inquiétez pas. Elle s'est mise à l'e-sport sur Just Dance. Putain, j'avais pas eu qu'il y avait un passage à niveau ici. J'ai eu de la chance. C'est pas Thibaut comme ça. Putain, on dirait Toronto. Non, je déconne. On dirait un peu le Canada, mec, c'est marrant. D'ailleurs, big up à mes Canadiens, à tous mes Québécois. Shout out to my fans issus du Québec. Petite pensée à vous. Et puis, bah voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Hein. Tu vois, là, déjà, on commence à être à 30 km. Je sens que je commence à fatiguer un peu, tu vois. Mais bon, ce n'est que le début. Et tu vois, les routiers ils me klaxonnent en mode hey, frérot, tu fais quoi? T'es un fou. T'es fou, mon frère. Tu vois, là, je suis peut-être allé un peu vite. Ah non, bah ça passe. Bon, non, ça passe du coup. Et n'hésitez pas à partager ça à tous vos potes, à la bike life, à qui vous voulez, frère. Y'a pas de soucis. Et pourquoi pas, comment il s'appelle, à l'acrobat, même si il la verra pas parce qu'il s'en bat totalement les steaks. Mais bon, c'est toujours ça de prix, hein, écoute. Sait-on jamais. Parce que ça, c'est totalement lui, ça, il en est totalement capable. Enfin, pas traverser toutes les states sans winning, parce que c'est... À mon avis, t'en as pour quelques jours, mais... Voire même 2 semaines, mais bon... Je pense que traverser tout Paris en wheeling, il est peut-être capable de le faire. Encore, ça risque d'être chaud quand même. Mais au moins, peut-être traverser tout le périph', ouais. Faire tout le périph' en wheeling, ça je pense qu'il en est capable. Et je crois qu'il l'a déjà fait d'ailleurs, si je me trompe pas. Et aussi, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que dans les virages, il peut y avoir des voitures qui viennent comme ça, tac tac. Au croisement aussi. Dans les croisements, il peut y avoir des tunes. Comme ça que je m'étais fait avoir une fois. Je trouve ça sympa par contre quand on klaxonne ici que ça fasse une petite lumière, tu sais que ça allume les feux. Là faut pas que j'aille trop vite parce que c'est pareil, il y a des hauts et des bas frérot. Il y a les Alpes juste devant moi, MDR. Non, c'est pas les Alpes, j'avoue. Bien entendu que ceci était une blague. Donc là on va se calmer parce qu'il va y avoir un virage des familles.
Ah ouais, c'est une ligne. Ouh! Ça fait déjà 20 minutes. Je vais éviter de faire trop le fou. Je sais même pas comment mettre dans mon siège tellement j'ai chaud. C'est affolant. En plus j'ai soit c'est une ah y a plus de neige j'aime dire alors ça c'est sympa par contre astuce non 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 avec la carte ouais on s'en fout on n'est pas là pour la carte. Tu vois là j'ai pas de stress de il y a des gens qui me poussent, qui me... Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà pas ce stress là parce que quand t'as des gens... Ah oui, parce qu'il faut savoir que les 50 km que j'ai réussi à faire aussi, en testant de traverser toute la map des States, c'est qu'il y avait mes potes et qu'il y a des gens qui me poussaient, tu vois. Qui me poussaient par devant, par derrière, etc. Et qui s'arrêtaient devant moi et tout. Donc bon. Faut savoir que c'est pas évident quand t'as des gens qui te poussent, qui sont devant toi, derrière toi. Qui te gêne un peu, tu vois, c'est pas si simple. Mais ouais, hésite. Oula, là je vais. Oh la bavette. Putain, je voulais freiner et. Putain, je voulais décélérer quoi, et j'ai fait une bavette comme un toc. Alors que c'est pas ce que je voulais faire la bavette. Ce n'était pas mon objectif. Je vais pas te mentir, gros. Au moins comme ça vous avez vu une bavette hein, pour ceux qui sont restés jusqu'aux 20 minutes. En plus on l'a bien entendu, elle était prononcée frérot. Elle était prononcée comme la défaite du Barça. Allez salut. Non mais je suis pour personne au foot sinon. Juste pour dire que le Barça ils se sont fait expulser. Enfin éclater quoi. Parce que, après on va me dire que ah, ça fait référence à je sais pas quoi alors que non pas du tout. J'ai sorti ça vraiment au hasard. Il n'y a pas de soucis, les gars. Pas aucune ambiguïté dans ce que je dis. Je sors juste des mots comme ça, des mots qui viennent du cerveau. Comme ça en mode bonjour, nous sommes des mots. Bon, là, ça va être. Normalement, là, ça devrait le faire. Putain, je commence à avoir les mains moites, frérot. Là-bas, il va y avoir un petit virage. Faut pas que j'aille trop vite. Putain, j'ai les mains moites. Et j'ai pas de manette élite, j'ai pas de volant. Parce que bon. Il y a des gens apparemment qui m'envient parce que soi-disant j'ai un volant. Mais je n'ai pas de volant les gars. Donc vous pouvez m'envier pour un volant que je n'ai pas. Si vous avez du temps à perdre. Parce que j'ai déjà vu des gens qui me disent ouais, t'as de la chance, je sais pas quoi, t'es un connard, t'as un volant et tout. Enfin non. Juste une manette blanche qu'on te donne avec la Xbox quoi. À moins que tu prennes ça pour un volant. Mais t'as peut-être eu des problèmes de vue frérot. Mais... Je sais pas. Mais ouais non j'aimerais bien avoir un volant mais malheureusement. Malheureusement, il y a des plus gros projets qui font que je ne vais pas pouvoir acheter un volant. Donc je vais d'ailleurs bientôt vous parler. J'espère que vous allez me soutenir. Parce que j'aurais vraiment besoin de vous. Donc j'espère que vous allez être présents au soutien, au rendez-vous les gars. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est bien aussi parce que du coup vous voyez les différents. Il y a une voiture ? Ah non. Les différents environnements du jeu, les différentes saisons. Voilà, c'est cool. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, même si je doute que dans ma communauté personne connaisse The Crew, mais on sait jamais. Ça fait plaisir à ceux qui n'ont pas le jeu et. Voilà, c'est cool. Ça permet de partager. C'est sympathique. Je fais pas trop le con parce que à des moments il peut y avoir des fourberies tu vois. En vrai faut vraiment se méfier. Parce que c'est quand je commence à me déconcentrer qu'il arrive un truc. Par exemple une fois j'étais en wheeling à je sais plus 70-60 km. Et comme par hasard à un croisement il y a eu une voiture qui a traversé au moment où je traversais. Bah voilà bah ça a pété mon wheeling. J'avais bien le seum, j'étais à la moitié de la map. Ah, j'étais à la moitié de la traversée des States, bah voilà quoi. Il faut que je me prenne une voiture à ce moment-là. Comme par hasard.
C'est un peu abusé. Attends, on entend bien. J'entends bien dans mon casque les graviers là. J'avais jamais fait gaffe, mais c'est sympa. C'est vraiment sympa. Voilà, attends, parce que là, il va falloir aller trop vite non plus. Là, il va y avoir un tuning encore. Là, faut pas aller trop vite. Sinon, je risque de tomber, comme d'hab. Je connais. Oula. Ça fait une mini bavette là. On va peut-être se calmer avec les bavettes parce que je sens que ça va pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas être en ma faveur la bavette. Je le sens vraiment pas du tout. J'aime pas quand ça fait ça. Ah putain. J'ai le seum, ma musique elle s'est arrêtée. Putain, j'ai la... En plus, ça allait être une musique que je kiffe. Pour ceux qui connaissent Metro Boomin, les 21 Savage, 10 Freaky Girls on a Yacht, elle est géniale. 10 Freaky Girls, voilà. Parce que moi j'ai dit le refrain comme un teubé. C'est du rap US, hein, pour ceux qui connaissent pas. Metro Boomin, c'est un peu une légende dans le milieu, d'ailleurs. Dans le milieu du beatmaking aux States. Donc on va être à 50 km, c'est sympa quand même. Ça commence déjà à être sympa, 50 km. On va pas tergiverser les frères. Voilà, faut pas que j'aille trop vite parce qu'il y a des camions et tout. T'imagines, en vrai, tu vois quelqu'un comme ça en wheeling gros. T'es là en mode, ah ouais, la bike life il rigole plus quoi. Lac. Enfin petit, il est assez grand quand même. J'ai rentré dans quelqu'un là. Bon, je sais pas. Bizarre. Et puis moi mes wheeling j'arrive mieux à les faire comme ça aussi. Il y a peut-être des gens qui arrivent à les faire avec une autre vue. Mais moi à la première j'arrive bien. J'arrive bien mieux en tout cas. Qu'à la deuxième ou à la troisième j'arrive pas trop. Là il va falloir tourner donc je m'apprête à tourner. Putain, il y a un camion plus comme par hasard. Bon alors c'est là que je vais pas aller trop vite parce que. Si encore un mec qui traverse. Voilà, comme vous l'avez vu devant là. Comme ça j'ai le temps de prévoir. Normalement, personne qui va traverser, voilà. Parce que c'est bon si ça me le refait, le mec qui traverse comme par hasard quand je traverse. Faut pas abuser. Ouais, salut ce frérot. Wow, j'ai voulu passer au milieu, mais faut aller se tomber, frère. Là, je suis passé pile au milieu des personnes. Ah là là, y'a personne, c'est parfait. Là pour l'instant, ça va. Là, faut juste pas que je fasse le con. Voilà, on freine. Bon, là ça va. Enfin, là ça va être relou quand même. Donc là y'a personne, c'est cool. Là faut pas aller trop lentement ni trop vite. Parce que sinon, là si tu vas trop vite, le virage tu passes pas. Ça c'est sûr et certain. Je commence à avoir mal au dos. C'est affolant. Faut juste espérer aussi que j'ai pas mes frérots qui me bombardent de notifs pendant ce temps, parce que sinon ça va me déconcentrer. Encore une fois. Ah par contre je voulais dire aussi que si je tombe si je tombe à 139 km ça va, on pourra dire que j'ai traversé les States. Mais si je tombe à par exemple je sais pas 80 km ou 70,
C'est pas validé, hein, je vous le dis les gars, c'est. J'aurais validé la moitié quoi. À peu près. Mais la traversée entière ne sera pas validée. Sinon c'est un peu de la triche. On va pas se mentir. On va peut-être pas tricher non plus, c'est peut-être pas le but. Et vous voyez les gens quand tu veux les doubler, bah, ils accélèrent genre. C'est relou. Déjà, je te jure, les PNJ doivent me voir et doivent se dire putain, mais il fait quoi? Je te jure, quelle tuning! Après, il me semble que ça va être que de la descente, si je me trompe pas. Pour l'instant, ça va, c'est que de la ligne droite, comme je disais tout à l'heure, mais bon, on sait jamais, tu vois. Il peut y avoir un tuning. Parce que ça, ce que j'aime bien, c'est ce qui manque dans Forza Horizon 4 aussi, c'est les petites. Les poum-poum. Ils sont pas assez prononcés, je trouve. Les pop and bang, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais les petites flammes, elles sont pas. Elles sont bien prononcées, mais le bruit, il est pas assez prononcé, tu vois. Faudrait qu'on puisse changer les lignes et tout, ça ce serait cool. C'est ça aussi l'avantage de The Crew 2. C'est que les bruits des voitures et des motos, bah, ils sont bien distinctifs. Alors que dans FH4 il y a plein de voitures qui se ressemblent, c'est relou. C'est un peu relou frérot, je vais pas te mentir. C'est tuning gros. Putain, il n'y a plus de musique, ça stresse à bord. Je peux pas mettre pause. Ah ouais, mon téléphone c'est... carrément éteint, super. Bon attendez, je vais essayer de prendre mon téléphone. Je promets rien du tout. Il faut que je remette la musique. Alors attendez, là je l'ai déverrouillé. Ah yes, c'est bon. Je suis désolé pour cette petite cette petite interruption. Je m'en excuse. Mais bon, depuis tout à l'heure, il n'y a plus de musique, ça me saoule. Excusez-moi, j'ai bâillé. Je suis navré, frérot. Ça fait déjà 34 minutes. Quand même. Je suis désolé. J'ai resté comme ça, parce que sinon, je sens que je vais perdre, je vais tomber, sinon. Mais ouais, n'hésitez pas à le faire chez vous, à me dire comment vous avez fait. Ça vous ferait plaisir, je pense. Ça peut être sympathique, voilà. Histoire de. Même mettez-le carrément sur le hashtag sur Insta, TocardosLife. Comme ça, on est là, ma main, tu vois. Peut-être que, je sais pas, des bikers vont le voir. On sait jamais, frérot. Tu sais, pourquoi pas, faut. Il faut tester, on sait jamais.
Allez, 210 km/h, je les attends pas, gros, bah ouais. Ma moto elle va maximum à 145, donc si tu veux que j'atteigne les 200, c'est mort. Bien sûr! Pour l'instant, n'empêche, j'ai de la chance, rien à planter, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de jeu qui a frisé, il n'y a pas eu de problème de co. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. Ah, dans le tunnel. Ah, c'est beau. Ah, ce bruit, frère. Les petites pétards là. C'est assez sympa. Oh, on voit les étoiles et tout. Comment c'est beau. C'est magnifique, franchement, il n'y a pas à dire. Oh, God. Walk. Miss Glock. Elle est trop bien cette musique, franchement, allez l'écouter, les gars. Enfin, 21 Savage, il fait des bons sons. Metro Boomin, bon, on en parle pas. Non, franchement, et pour ceux qui connaissent pas, si vous kiffez le rap US, vous allez kiffer. Parce que c'est des sons, ils sont d'une lourdeur. C'est un truc de ouf. Je commence vraiment à voir les mains qui sont en mode hey, frérot, c'est quand tu lâches la manette là. Je te jure. Allez, 70 km on screen pour mes fans. Donc là, comme ça, il y aura plus de ouais, mais on n'a pas de preuves, c'est pas vrai. C'est HS, les gars. Comme on disait à l'époque sur code. On screen. Quand fallait faire les trucs au sniper là. Ouais, pour entrer dans ma team, faut faire quoi de feed on screen hein. Je te jure. Eh ouais, 70 mm, putain. Ça commence à en faire. Je te jure. Bon, je pense qu'à la fin de cette vidéo, il va falloir que j'aille amener ma moto chez le garagiste. Parce que là, à mon avis, le train arrière, il est mort. Les amortisseurs à l'arrière, je pense qu'ils sont morts. Le pneu, il doit être plus que lisse, frérot. À mon avis, sur le pneu, tu peux te taper un petit barbecue, genre en dos calme. Eh les gars, je paye barbecue avec mon pneu arrière, qui est déter. Je te jure, frérot. Si jamais Acrobat t'as envie de te taper un barbecue avec mon pneu arrière, pas de soucis. Yes. Oula, va y avoir des vierges dans pas longtemps, va falloir se calmer frérot. Donc, je vais essayer de ralentir le mouvement. Voilà, puisque bon, les virages tu connais, on est pas serein. Là ça va être relou avec les gens et tout. Oh, j'ai failli tomber là. Oh, un renard. Attends, on aura fait tous les animaux du jeu quoi. Les cerfs, les élans, les renards et tout. Putain, j'ai failli prendre les PNJ. Je te jure, c'est affolant. Bon, si je fais pas de la merde là, pas que j'aille trop vite en fait, sinon je vais pas passer les virages. Bon, je suis obligé de remettre un coup de gaz pour la remettre droite, sinon c'est chaud. Attends, y'a un virage dans pas longtemps là. Pas dispo. Désolé un moment, mais je peux pas venir. Je suis en vidéo. Ouais, ouais, ouais. Parce que je fais un truc dur là à faire alors. Bon, je suis désolé les gars, mais là, j'étais obligé de. Et bon, de dire à ma mère que du coup je faisais un truc assez dur à faire. Là, je le passe pas à mon avis. Oh, vous avez vu ça, c'était pas loin. La moto elle est en sueur. Moi aussi d'ailleurs. C'est les sueurs pour mes fans. Les sueurs chaudes et froides. Oh, putain, y a des virages ici quand même.
Non mais si un jour, si vraiment un jour il y a un tocard qui refait ça dans la vraie vie, franchement je le respecte. Parce que traverser toutes les states, je pense que t'en as pour quelques semaines, 2, 3 semaines, si c'est peut-être même pas plus, j'en sais rien. Et faire ça tout en wheeling, bien entendu avec des escales, hein, parce que c'est quand même, c'est dur. Mais franchement je le respecte le mec qui fait ça. C'est quoi l'acrobate si un jour on te fait... Je crois que l'acrobate ils vont... Red Bull ils vont proposer à l'acrobate de le faire mec. On va dire ouais, on a un défi pour toi. Traverser toutes les states en wheeling. Ah ok. Je pense qu'il en serait capable en vrai. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais à mon avis, il en est capable. Enfin je pense, après je me trompe peut-être, je sais pas. J'en sais rien. Tu me diras, tout est faisable. Ah, faut retourner là-bas. Bon, là, il y a encore le temps où je peux accélérer. Oula, je sens qu'il va y avoir des virages tellement relous. Putain, mais c'est dans les bois en fait. Wow, j'ai très très mal tourné là. Ça tourne mal. Ah, je vais pouvoir... Ah oui, putain, nickel. Je vais pouvoir mettre un titre à guicheur. Ça tourne mal. Yes, ça va faire des vues en plus. Allez, salut. Le mec, il est là, il fait tout pour gratter des vues, tu sais. En plus, il y a vraiment des bonnes musiques qui passent, c'est parfait. Oh, les virages qu'il y a après! Oh mon pote, je suis pas prêt! Merde, faut pas que je perde ma vitesse. Putain, là, les gars, je vous mens pas, mais je pense que je vais fail. Parce que là, il y a trop de virages de ouf. Regardez-moi les virages qu'il y a en descente, je peux vous les passer, mais en montée, mon pote, ça va être tellement dur. En tout cas, du coup, j'ai battu mon record. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais non, mais les virages comme ça aussi. Ah, je suis désolé, je fais totalement de la merde. Mais c'est tellement dur, les virages comme ça à passer. Bon, je sais que la plupart des gens regardent même pas jusqu'à cette partie de la vidéo, mais bon, on sait jamais. Oh, les virages là, ils étaient tendus. Hein. Je vais pas te mentir, mon pote. Mais... C'était tendu parce qu'ils étaient bien en descente et tout. Je suis désolé, hein, j'ai totalement réduit la cadence, mais là. C'est chaud. En plus, j'ai failli me prendre des camions et tout. Oh la vache! Oui! Putain, la vache, elle a traversé au calme. Elle a cru que c'était chez son daron, tu sais, les States. C'est chez moi. Hey, c'est mon père qui a tout construit, ok. Putain, je te jure. Les animaux de nos jours dans le jeu, on respecte rien. Là, on va accélérer. On va avancer. On va essayer de gratter au plus possible. Là-bas, j'ai peut-être freiné par contre. Ah, quoi que. Quoique ça se passe peut-être. Ouais, ça se passe non. Et bah écoute, c'est pas mal la visite du pays. Oh là là, va y avoir un virage là-bas. Bah, faut pas aller trop vite, on connaît. Bah, faut pas trop se pencher et pas aller trop vite. Oulala, là, on connaît aussi, faut se méfier. Enfin, on connaît. Je sais même pas où je vais, frérot. Mais... Oulala, là, le virage. Je vais bien ralentir, pas être sûr de le prendre. Ah là, bah non, mais c'est bon, en fait, c'était...
C'est le virage pour mes fans. Eh ben c'est bien passé le virage. Même très 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 bien. Ça fait déjà 45 minutes. Oula, là-bas il y a un virage serré. On va l'anticiper. N'hésitez pas à me dire comment c'est aussi au niveau du son pour vous, si c'est bien ou quoi. Le mec qui dit ça à la fin de la vidéo, tu sais, ouais, donc les gars, au fait, le son, au bout de 4 ans de vidéo. Ah, oh là, j'ai failli faire de la merde. On est reparti pour de l'autoroute, bah écoute, ça c'est cool par contre, ça c'est une bonne nouvelle. Apparemment peut-être pas pour longtemps. Ah, peut-être pas pour... Ah si, peut-être pour un moment l'autobahn. Je vais me décaler puisque lui sinon il va rentrer dedans. Putain, je sens que je vais bientôt avoir envie d'aller aux toilettes. Yes. Tout joue sur le mental, frérot. C'est beau quand même, regardez, on voit la ville au loin et tout. C'est sympa. Oh, c'est plutôt joli. Hello. En tout cas, j'ai battu mon record. J'ai jamais fait autant, je vous le dis, les gars. Là, ce qui est sûr, c'est que j'ai battu mon propre record. Déjà, c'est déjà fou. C'est déjà absolument fou. Alors, je sais que peut-être que c'est nul, hein. Il y a des gens qui ont fait beaucoup plus, mais c'est sympa, tu vois, déjà. Ah, on va bientôt quitter l'autoroute. On va passer, je crois qu'on va traverser la ville. Ça va être relou. Alors, je sais absolument pas où est-ce que je suis. Honnêtement, je vais pas vous mentir, mais j'en sais absolument rien. Ah non, on va peut-être pas traverser la ville au final. Excusez-moi, je me suis trompé. Ouais. J'en sais rien du tout au final. Ouais. On va peut-être pas traverser la ville. Et tant mieux du coup, ça m'arrange. Ah, par contre, lui, j'ai peur. Hein. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance, pardon. Il ne fait pas confiance, c'est ce que je dis. Alors moi, s'il y a une ligne droite comme ça tout le temps, ça me va. Il n'y a pas de souci, mon pote. Il n'y a totalement aucun problème. Bon, les gars, si j'arrive à 130 km, on peut dire que c'est validé, quand même. Je pense qu'on peut le dire. Enfin bon, on en est loin. Mais bon, on sait jamais. Dans la vie, faut toujours rêver. Parce que peut-être que tes rêves se réaliseront un jour. Ouais, ouais. On sait jamais. Je pense qu'après, j'aurais bien mérité de manger un truc. À mon avis. En plus, c'est cool, franchement, vous avez été plus de 300 à voter, c'est... Merci. C'est vraiment cool, les gars. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool. Thank you.
Déjà, il doit virer, tu sais. Les PNJ doivent être en mode qu'est-ce qu'il fait lui? Yay, qu'est-ce qui se passe? Le mec il est en wheeling. Breaking news. Un homme était en wheeling en traversant la moitié des États-Unis. Yes. Donc là, faut toujours pas quitter l'auto. Enfin, la sorte d'autoroute. Enfin, la voie rapide, pardon. Je crois que ça s'appelle comme ça. Semble, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires gentiment. Je demande pas des insultes, mais ouais, tranquille. N'hésitez pas aussi à réagir en masse si ça vous a plu. Il n'y a pas de soucis, ça me ferait plaisir. Donc je suis désolé, hein, la vidéo est un peu longue, mais en même temps, ça se fait pas en 2 secondes, quoi, tu vois. C'est un peu logique, quoi. C'est un truc assez fou, frérot. Oula, c'est quoi cette musique? Ah, je crois que c'était une pub. Et non, ce n'est pas une pub. J'espère que c'est dur. Hein. C'est le mec. Le mec qui se soucie plus de sa playlist que du winning, quoi. C'est ce genre de mec, tu sais. Je te jure. T'es le pire. Ça par contre ça va pas me plaire. Alors par contre non. S'il commence à mettre des musiques que j'aime pas, frérot. Oh, putain. Et oui les gars, on y est, on est au 100 km, putain. C'est hallucinant. On est à 100 km. Putain, si je pourrais avoir autant de kilomètres que d'abonnés, ce serait peut-être sa mère. Je vais pas te mentir. Ce serait génial. T'imagines? 100 000 abonnés. Ouais, ouais, ouais. On est là. On est dans l'abonné 7. Oui. Ah non, mais. Putain. Tu sais ce qu'il manque là? C'est un assistant. Pour pouvoir changer ma musique. Parce que là, ça m'enjaille tellement pas. Je sais pas s'ils se rendent compte que là, ils niquent mon délire. Par contre, quand on va falloir prendre une sortie, je pense que je vais douiller. Ah bah c'est dans pas longtemps en plus. À moins que non, ouais, on reste encore sur la voie rapide. Et tant mieux d'ailleurs. Oh, j'ai fait tomber là. Là, j'étais pas loin. Allez, on dépasse les PNJ en ligne, au calme. Je crois que j'ai fait une mini bavette là. Là, tu vois, niveau concentration, ça commence à être dur. Là, je commence à plus en pouvoir. Là, je sais que vous le voyez pas, mais là, je commence à avoir mes yeux qui me disent bon, frérot, on s'est trop concentré pour aujourd'hui. Maintenant, tu nous laisses tranquille. Bon, en plus, mon jeu, comment il lag. Wouah! Oh les lags, frérot! Putain, ça lag, c'est pas fluide! Parce que la console elle peut pas s'aérer. Enfin, je pense que c'est pour ça. C'est quand même hallucinant, j'arrive toujours pas à croire que j'ai battu mon record. C'est fou. Oh non, pas cette musique. Assistant, changer de musique. Et si je mets pause, j'ai peur que ça nique mon wheeling.
C'est quoi la musique d'après? Ah, je peux pas voir. Parce qu'en fait, une fois, il y a une fois où ouais, j'avais tourné le regard et c'était pas le bon bail. J'ai essayé de changer, mais ça a pas cliqué. Je suis dégoûté. Donc c'est pour ça que j'ai failli tomber, les gars, parce que j'ai essayé de changer de musique. Mais ouais, bah, on va laisser tomber la musique, tant pis. Essayer de faire sans fin. Les musiques, elles sont pas, c'est pas, voilà. Mais ça concentre, tu vois, la musique, ça t'aide à te concentrer. C'est sympa comme ambiance, tu vois. Quand t'as de la bonne musique que t'aimes bien et tout, ça t'aide. Et là, j'ai pas la musique que je veux, donc ça m'aide pas trop. Ça m'aide même pas du tout, je dirais. Là, il va y avoir un micro-virage. Allez, hop, lui, je lui ai fait le rétro. Oula! Attends, non. Non, non, de ligne droite encore, bah pourquoi pas. Hein. Voilà, n'hésitez pas à partager, je compte sur vous, cette vidéo vraiment au maximum, mettre un maximum de pouces bleus, vraiment les gars, ça m'aiderait de ouf. Je remercie toutes les personnes déjà qui ont regardé jusqu'ici, si vraiment vous pouvez faire ça les gars, ce serait génial. J'aurais aucun mot pour décrire tout ça. Vous seriez des amours, MDR, le mec, t'sais, le mec qui commence à parler comme une mamie. Ah, vous serez vraiment chou, hein. Je te... Oh, lui, il a failli m'entrer dans mon pote. Laisse-moi faire mon wheeling, là. Tu fais quoi? Elle m'amène ce genre de wheeling en I. Tu connais, non? Bon, bah, les gars, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, quand même. Hein. Qu'on est en wheeling, du coup. Et il y a aucun montage. Bah, je pense que, de toute façon, si vous regardez la vidéo en entier, vous allez voir, il y a aucun montage. Je vais pas faire de montage sur une vidéo comme ça parce qu'après on va me dire que j'ai triché. Alors que je vois pas comment on peut tricher sur un wheeling. On sait jamais. Sait-on jamais, des fois il y a des détracteurs qui sont déter. Je vous dis, on aura fait tous les animaux les gars. Là il y a un cerf encore qui est passé au calme. On a vraiment fait tous les animaux de la savane. C'est fou. Ça va bien. Oh, c'est bientôt. C'est bientôt 4h30, putain. C'est hallucinant. Je viens de me gratter le nez aussi. Ah non, mais mec. À chaque minute qui passe, il y a un symptôme qui intervient comme ça en mode salut, je suis un symptôme et je viens tout niquer. Je te jure. Les symptômes de nos jours respectent vraiment rien. Je te jure. Ils sont là en mode tuning, frérot. Ramener Frag à la maison. Et là, je suis... et dire que je suis à 140, mais mec, j'ai même pas l'impression d'être à 140. Je te jure. T'as pas l'impression d'être à 140. C'est un truc de fou. Ah, va bientôt falloir quitter. Ok. Ouf, parce que c'est dans pas longtemps. Hein.
Ouais, ça c'était pas le meilleur bail à faire. Mais c'est passé, écoute. Et ça fait une heure, les gars, qu'on est en wheeling. Ça fait une heure qu'on est. Oh! Ça a niqué mon wheeling. Oh, j'ai le seum. Putain! Les gars, on y était presque. Je suis désolé. Putain, je pensais pas que ça allait. Oh, j'ai le seum. Regarde où je suis arrivé, les gars. Bon, bah, dites-moi dans les commentaires si selon vous c'est validé. J'étais à 120 km. Dites-moi si selon vous la traversée des États-Unis est validée ou pas du tout. Je pense pas que je recommencerai parce que c'est extrêmement dur. Ça prend énormément de temps. Donc dites-moi si c'est validé ou pas parce que regardez, il y a un coin dans les, il y a un endroit dans les États-Unis, ça s'arrête là et c'est à peu près où je suis. Tu vois? Là, ça s'arrête là et moi je suis parti de tout là-bas à gauche à San Francisco. Donc est-ce que tu le valides ou tu le valides pas? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager à tous tes potes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie. Et je vous dis sur ce, ciao la bise, les frérots.